Alors, je m'appelle Céline Combronde, je suis donc dirigeante, directrice générale du groupe Combronde. Je travaille en collaboration avec mon frère et notre papa et qui nous accompagne dans la passation dans nos fonctions. La société existe depuis 72 ans. Elle a été créée donc en 1945 par mon grand-père Roland Combronde. On a toujours vécu dans le transport. On a toujours suivi les évolutions des sociétés. Voilà, dans la famille, c'est carrément une initiation. Depuis toute petite, j'ai eu l'opportunité de faire des voyages en camion, de venir travailler pendant les vacances scolaires, et j'ai toujours été très investie dans l'entreprise. Ce qui me plaît sur le territoire, bien sûr, c'est le relief, c'est la diversité de nature qu'on peut voir ici, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. L'Auvergne a plusieurs qualités, parce que voilà, stratégiquement, elle est vraiment à un nœud au centre de la France. Au niveau de l'économie, on bénéficie de plein de grosses entreprises, de gros groupes industriels, et c'est une richesse, et c'est ce qui fait aussi la richesse du territoire. Après, la qualité de vie qu'on peut avoir en Auvergne est assez exceptionnelle parce qu'on a des saisons et que ça, c'est appréciable. Et ben, en été, il fait chaud et en hiver, il fait froid, il y a de la neige. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est des vraies saisons. Donc forcément, c'est des atouts, le fait d'avoir la nature tout le temps à proximité. Pour autant, si on a la volonté d'aller sur des grandes villes, aujourd'hui, on est à 1 heure de Lyon, on est à 30 minutes de Clermont-Ferrand. Et donc, voilà, on est déjà proche des grandes villes. Et souvent, on a du mal à faire venir les personnes dans la région, alors qu'en fait, quand elles y arrivent, eh ben, une fois qu'elles y sont, elles ne veulent plus repartir. Alors, qu'apportent voilà, les nouveaux salariés dans notre entreprise ? C'est toujours riche d'avoir de nouvelles personnes avec... peut-être des cultures différentes, des approches différentes et souvent des ouvertures d'esprit aussi différentes. Et voilà, ça recrée toujours un certain dynamisme. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est vraiment de travailler sur le report modal, d'arriver à développer des solutions alternatives au transport et notamment sur le transport ferroviaire. Voilà, il est important pour les entreprises de faire des choses aussi qui soient tournées sur l'environnement et sur un juste équilibre dans l'avenir qui rallie le développement économique et aussi l'environnement. Je pense qu'il est intéressant pour des jeunes qui ont l'ambition de créer leur société, de le faire dans des régions comme la nôtre, parce que je pense que c'est d'autant plus facile de le faire dans des régions où il y a des grosses capacités de développement plutôt que d'aller faire ça à Paris, à Lyon, où il y a déjà plein de choses et souvent dans des secteurs saturés. Et je pense que oui, il y a un intérêt à venir s'installer en Auvergne pour créer voilà, de nouveaux secteurs d'activité.